que c'est vraiment plutôt une continuité, disons que c'est une étape dans ma démarche de recherche qui consiste à peindre avec de l'écriture arabe ou latine. Et c'est plutôt un sujet, en fait, une nouvelle porte que j'ai ouverte dans cette démarche-là afin de, encore une fois, concrétiser l'idée de la recherche de l'identité individuelle à travers, ici c'est à travers le dédoublement et la multiplication de la figure, alors qu'avant c'était plutôt la fragmentation de l'image en écriture. Mais je pense que ça s'inscrit tout à fait dans le même projet qui s'intitule De droite à gauche, tout en étant une nouvelle série qui est indépendante et qui a quelque chose de particulier. Je pense que c'est une tentative de renouveler un petit peu avec une pratique qui est renouveler une pratique qui existe dans différentes formes très classiques, puisque ici l'usage de l'écriture est fait pour rendre une image figurative et il n'est pas fait pour rendre un texte en soi-même. Donc c'est plutôt donner une deuxième vie, une deuxième possibilité à la graphie plutôt que la calligraphie, j'appellerais ça la graphie plutôt. Et je crois que c'est à la fois une dualité entre l'héritage culturel arabo-musulman, arabo-islamique, symbolisé par la calligraphie ou l'écriture en arabe, et la pratique de la peinture occidentale, symbolisée par la représentation du portrait et la figure humaine. C'est un peu une tentative, encore une fois, de créer un espace possible au milieu des deux pratiques. Je pense que mon choix s'est porté vers des figures qui m'ont marqué d'une manière directe au niveau intellectuel et culturel. Après, je crois que j'ai aussi fait un choix de travailler sur des images d'archives qui sont accessibles à tous sur Internet et un peu redonner un peu une deuxième vie à ces images-là, tout en célébrant l'idée de l'authenticité des créateurs qu'ils représentent, mais en les représentant dans un dédoublement, un peu pour brouiller un peu les pistes de l'idée de l'identité individuelle, encore une fois. Je suis très positivement surpris par l'accompagnement que fait une galerie aujourd'hui comme l'Atelier 21 à mon travail, et aussi surpris par l'accompagnement que font les collectionneurs aujourd'hui. Et je pense que, au contraire, je suis assez fier et assez content de voir qu'il y a aujourd'hui une véritable scène naissante ici et qu'il y a aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui un vrai marché pour les vrais artistes et qu'il y a des vrais collectionneurs qui s'intéressent et qui sont là sincèrement pour supporter les artistes.